câble, tu viens là toi? Bah oui. Parfait, regarde. Ce qu'il faudrait voir, c'est les longueurs d'accès aussi à l'arrière, allez, si tu veux. Il y a tout le poids de l'histoire qui est là, c'est assez extraordinaire de voler dans une machine qui a plus de 100 ans ou qui va avoir 100 ans. On se retrouve avec des machines qui peuvent être parfois performantes, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et puis bah voilà, il y a toute cette émotion qui peut transpirer par rapport à l'histoire propre de l'avion et des pilotes qui allaient avec. Depuis quasiment toujours, on a reconstruit ou restauré des avions pour les moyens, pour les besoins du cinéma. Donc là, par exemple, on a une vedette qui a été faite pour le film L'As des As avec Jean-Paul Belmondo. Donc c'est une réplique de SO5. Ça en allait à silhouette, mais c'est absolument pas un vrai. Par contre, pour les besoins du film, il y avait besoin que l'avion soit plus performant, puisse voler dans un peu toutes les conditions. Donc on a une silhouette ancienne avec un moteur moderne, des freins. Regardez si ça joue. Regardez si ça joue. Dans les avions très anciens, on va se retrouver avec des avions qui n'ont pas de frein. Donc un maniement au sol un petit peu plus particulier. Et voilà, ce genre de petits détails qu'il faut apprendre. Mais il n'y a pas de cursus spécial. Il faut l'apprendre à voler ces avions à l'ancienne. Les avions ne sont pas sur le même standard, on n'a pas cet aspect de sécurité, des normes qui faisaient qu'on a un avion, on devait retrouver à peu près toujours un peu les mêmes choses. Là, on a des avions où il y a des effets secondaires au point de vue des commandes qui sont beaucoup plus importantes. Toi, c'est pas vide. On peut changer le moteur pour mettre un moteur plus fiable. Par contre, si vous voulez refaire identique à l'origine, ça va être compliqué. Il va falloir reprendre des toiles qui coûtent beaucoup plus cher, qui se trouvent toujours, mais qui vont coûter peut-être 4 fois plus cher. La visserie, elle n'est pas facile à trouver. Les moteurs, c'est encore plus compliqué. Souvent, il faut refaire des pièces. Donc, ça coûte énormément d'argent. C'est des avions qui vont sortir par temps beau, par temps clair, il n'y a pas de vent, ça va être essentiellement l'été. On va dire que les avions aussi sortent allez, 3 fois dans l'année. On va compter que pour une sortie de 20 minutes, en réalité, on va peut-être mettre, il y aura peut-être 3-4 heures de travail, au minimum. Donc là, bah, viens regarder les commandes. Ça, c'est des avions qui sont très légers, donc ça, aux commandes, c'est impressionnant quand on vient de machines tout à fait modernes. Moi, je viens de machines modernes. Il faut être souple, faut vraiment piloter avec deux doigts, c'est tout, voilà, très, très, très simple sur le manche. Thank you.
Donc moi j'ai l'impression de me retrouver 50 ans en arrière et les sensations d'avoir la tête à l'extérieur. Ça c'est vraiment superbe quoi.